Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Harry, de la reine et du prince Philippe. Donc, il y a un article récemment dans les journaux qui parlait de la façon dont Harry aurait traité son grand-père alors qu'il était encore vivant, alors qu'il était à l'hôpital. Il disait en fait que la reine a parlé au prince Philippe de tout ce qui se passait, c'est-à-dire quand le prince Harry a décidé de s'éloigner de la famille royale, lorsqu'il a donné son interview à Oprah, et qu'il était très déçu et que ça l'a affecté, ça l'a rendu malade, ça empirait en fait sa condition. Alors, je vais vous dire pourquoi je ne crois pas en cette histoire. Parce que premièrement, la reine sait très bien que son mari est malade et qu'il pourrait décéder à n'importe quel moment parce qu'il avait des problèmes de cœur. Quand on a des problèmes de cœur, on ne vient pas donner de mauvaises nouvelles aux patients ou à la personne qui souffre. Donc, aller expliquer au prince Philippe qui était souffrant et qui, je suis sûre, n'était pas dans un bon état, que son petit-fils est en train de faire ci, est en train de faire ça, n'aurait eu pour but que l'énerver, le rendre malade, empirer sa condition. Donc, je ne crois pas que la reine et souhaiter que la condition de son mari empire. Donc, je ne crois pas qu'elle ait parlé à son mari de tout ce qui se passait avec le prince Harry et Meghan Markle. Les tabloïds et les commentateurs royaux veulent absolument mettre la responsabilité du décès du prince Philippe sur le dos du prince Harry et de Meghan Markle, alors que ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que la reine, le prince Charles, les autres ont parlé au prince Philippe de cette histoire. Je suis sûre que le prince Philippe ne lit pas la presse. Je suis sûre que le prince Philippe, à ce grand âge, je suis désolée de dire ça, n'avait peut-être pas toute sa tête, donc il ne pensait pas aux problèmes de Meghan et Harry. Donc, il faut que les gens arrêtent de mettre ce blâme-là sur le prince Harry. Si la reine a décidé de parler à son mari du prince Harry et de tout ce qui se passait dans la famille royale, c'est sa responsabilité à elle parce qu'il faut vraiment manquer de jugeote que de décider de parler à quelqu'un qui est souffrant de problèmes. C'est vraiment ridicule, hein. J'ai fait cette vidéo parce que c'est quelque chose qui revient encore et encore dans l'argumentation des trolls et des haters. Si on a sur cette chaîne, donc je voulais dire ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.